やった？やった？ねえ。うん。Je présume que c'est ça. Ouais. Afficher l'objectif, c'est sûr. Niveau 30 cette fois. Après, ça veut pas dire que c'est plus compliqué. Hein. Matador est quand même assez balèze. Ouais, le deuxième, je crois que c'est l'autre qui est en lévitation là. Dai Shoujo. Je l'ai gardé longtemps lui aussi. Hein. Je suis en train d'aller par là, mais. Pourquoi en fait? Ça m'a pas fait gagner du temps du tout. Sauf si je peux sauter par là. Hein. 95 maca? Attends. Faut être un peu plus généreux quand même. Hein. En avant, c'est parti. Alors, j'étais en route pour ici. Dai Shoujo, c'est un de mes démons préférés, moi aussi. Je l'utilisais beaucoup dans SMT3 et dans le 5 aussi de souvenir. Tu veux vivre? T'as rêvé ou quoi? Tu sais pas à quoi il ressemble? Un espèce de squelette. En train de léviter en fait. Si c'est bien celui-ci, mais il me semble que oui. Le démon a l'air d'être de bonne humeur, ok. Je te fais un prix. Ok. Vas-y. Ça va. Beaucoup de ta vie. Allez, vas-y. On va quand même heal, hein. On n'est jamais trop prudent. Ça c'est fait. Est-ce que je l'avais récupéré? Ah, le salaud, comment il me nargue. Le Oni finalement, je me souviens pas. Je crois que non, hein. Je l'avais pas fusionné parce que... il était pas intéressant, je sais plus pourquoi. Du coup, je vais aller en récupérer un à côté là. Tennozu s'appelle comme ça parce que le masque de Gozu Tenno a été trouvé là. D'accord. Je le note sur mon Pokédex. Alors, ils étaient où les Oni? Ils étaient par là, je crois. Il y a un camp juste à côté. Le Naruto run du perso de toute beauté, t'as vu ça? La maîtrise? Un quiz? Ah non, pas celui-là! C'est Kodama ou Sudama? Je vais me gourer, c'est sûr. Eh ben non. Parce que j'ai pris celui que je devais pas prendre. Voilà pourquoi j'ai eu la bonne réponse. Bon, bah, un recrutement facile. Il en faut de temps en temps. Là, je crois que mon groupe est plein. Ouais, ça, c'est un peu dommage. Faudrait que je fusionne, quoi. Le problème, c'est que j'aime pas trop fusionner tant qu'ils ont pas débloqué leur skill. Je trouve qu'on y perd quelque chose.
Bon, après, c'est des bestioles assez bas à niveau, c'est pas non plus la folie, quoi. Non, mais c'est marrant, ces histoires de quiz en mode « Who's that Pokémon ?» C'est bien de trouver des maquins un petit peu, parce que c'est la crise, là. Allez, si on avance. Tiens, il y a une quête. Perso, je l'ai fusionné tellement tôt pour la plupart. Bah, t'as raison, hein. C'est moi qui me prends la tête pour rien. Hein. Après, il y en a quelques-uns, je sais qu'il faut pas les fusionner trop tôt parce qu'ils ont vraiment des skills intéressants, genre charge, concentration. C'est dommage de passer à côté. Surtout si tu veux les embarquer sur une fusion. Qu'est-ce que je voulais faire? De l'électrique. Je crois que j'ai trouvé un maillot de bain. Pas complètement sûr, mais... Punaise! Comment je vais pouvoir aller là-bas? Nana! Oh Tox, yo, tu pourrais m'aider? Tu vois, je suivais Yuzuru, mais j'ai vu un truc qui avait l'air dangereux. Des démons disaient qu'ils allaient manger de l'humain, et ils ont descendu cette falaise. Je peux t'aider. Génial, j'allais te demander. Mais ni toi ni moi pouvons descendre. Et même si on pouvait, c'est plein de démons. Oh, attends. Nah. Tu sais, le petit démon que t'avais avec toi, comment elle s'appelait? Amanozako? Je crois qu'elle pourrait explorer ça pour nous. Tu crois? Shounen. Bonsoir Jeff, comment ça va? Jeune homme, en tant que Naobino, vous devriez pouvoir aligner temporairement vos signaux Magatsu avec un démon pour le diriger à distance. Ah, c'est nouveau ça. Le fait que vous puissiez utiliser le Magatsu en combat pour aider vos démons le prouve. Cette compétence devrait permettre d'entretenir une connexion avec un démon pour lui donner des ordres, même de plus loin qu'habituellement. Tu veux dire que tu peux voir au travers des yeux d'un démon et communiquer avec à distance? C'est décidé du coup, on va envoyer Amanozako explorer la zone. Meilleure quête du jeu? Ah ouais? Lors de certaines quêtes, vous pourrez contrôler un démon dans l'exploration d'une zone donnée. Ces explorations ne sont pas limitées dans le temps, si vous voyez un démon ou quoi que ce soit d'intéressant, allez voir pour en savoir plus. Il faut appuyer sur L1 pour suspendre la quête. Cette quête n'est disponible que pendant un certain temps. Ah ok. Bah let's go hein. Thank you. Trop bien, merci. Punaise, t'as déjà Amanozako avec toi en plus. Tu dis qu'il y a quelqu'un là-dedans? Dak, j'en ai pas pour longtemps. Donne-moi une seconde pour descendre. Allez, on s'y met. Allô, tu m'entends? Parfaitement. Cool, ça fonctionne bien. Allez, on fonce. Né. Déplacement. Ah. C'est pas un de ces trucs que tu utilises tout le temps? C'est ça, hein? Boop. Une voix sort du distributeur. Ouais, t'as entendu? Il a dit genre merci beaucoup. Ah, tu crois que ça pourrait être l'un des humains disparus qui est enfermé dedans? Shounen. Jeune homme, peut-être devriez-vous expliquer les voies automatisées à Amanozako. Eh, hey, je t'entends. Je déconne, ok, je sais ce que c'est, les voies auto-matinées. Ce démon a peut-être des informations. Essayons de l'aborder. Salut, tu es invité au festin, c'est ça? Invité, festin. Quoi? Oui, oui, je suis invité. Qu'est-ce que je ferais ici autrement? Ok. Alors rentre donc, amuse-toi bien. Ah oui? Vous entendez des voix derrière la porte. On dirait qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Ça sent pas l'humain par contre. Il vaut peut-être mieux explorer d'autres endroits, non?
Apparemment, il y a une cuisine un peu plus loin. Si les rumeurs disent vrai, on va se régaler. Se régaler, hein. C'est suspect, si tu veux mon avis. Allô, y a quelqu'un? Jeune homme, vous devriez expliquer que les humains sont incapables d'entrer dans un climatiseur. Je le savais déjà, c'est évident. Je pensais juste qu'il pouvait y avoir un petit démon dedans qui faisait une sieste, un truc comme ça, on sait pas. Ça a l'air d'être le seul endroit où l'eau est claire. Est-ce que y a quelqu'un dedans? Peut-être. Tape des mains. Allez, on applaudit. Eh, les humains font ça quand ils aiment un truc, non? C'est tellement bête. J'ai été attiré par le rythme. Ouah, quelqu'un est sorti. Eh, t'es aussi une invitée du festin? Oui, j'ai été invitée pour chanter. Une chanteuse, t'as du talent? Sûrement si on t'a invité, hein. Bah, la dernière personne à avoir écouté ma chanson s'est endormie et ne s'est jamais réveillée. Tu veux l'entendre? Tu sais quoi? Je vais pas me spoiler, hein. Je préfère attendre de l'entendre sur scène. Ah d'accord, à plus tard dans ce cas. Je vais pas me spoiler. Oh, il y a du sang. Attends, il y a un autre bonhomme là. J'arrive pas à le trouver l'autre. Bon. Ce sang, il a l'air frais, non? Si un humain en a tant perdu... Bref, continuons d'explorer. Il me semble qu'on approche de la cuisine. Stop. Seul le personnel est autorisé à passer. Le dîner est en préparation. Soyez un démon respectable et patientez. Oh, mais je suis trop curieuse. Je peux pas juste regarder genre 30 secondes? Si cet avertissement n'était pas suffisant, peut-être qu'une leçon est ce dont vous avez besoin. Ça veut pas partager. D'accord, il y en a un qui va m'aider, c'est ça? Tu penses qu'on peut trouver quelque chose d'utile? Je devrais peut-être jeter un œil, t'en penses quoi? Allô? Y'a quelqu'un? Demande plus fort. Frappe plus fort. Fermez-la! Oh oh. C'est décidé, je vais casser des gueules! Vous êtes là pour le festin? Non, on était là avant. Y'a trop de bruit maintenant, on déteste! Eh ben, on m'a dit de vous appeler. Quoi? La personne qui s'occupe du festin, pardi, la patronne. Qu'est-ce que t'as dit? Le seul patron ici est le nôtre. C'est à cause de cette patronne qu'il y a tout ce bruit. Allons-y, qui qu'elle soit, elle est morte. Dégage du passage. Bah, c'est qui ces gars? Dégoûtant. Ils dégoulinent. C'est notre territoire ici. Partez immédiatement. Bien, c'est ma chance de voir ce qui se cache derrière. Let's go. Hein? Je ne me souviens pas de vous avoir invité. Quoi qu'il en soit, je suis occupé à la préparation du plat principal, donc je vous demanderai de partir. C'est... Il est en vie? Il n'a pas l'air en forme. Qu'est-ce que je fais, Tox? Sauve-le. Comment je suis censé faire ça seul? Eh, peut-être que vous ne devriez pas tuer cet humain. Parce qu'il a l'air dégoûtant, clairement. J'ai vu d'autres humains juste dehors, ils ont sûrement meilleur goût. Je vous montre si vous voulez. Vraiment. Cela vaut peut-être le coup de capturer ces autres humains, plutôt que de se contenter de celui-ci. D'un autre côté... Le lycéen est mort. Ah. Mais pourquoi les autres humains... Qu'est-ce que cela peut bien faire? Vous faire ce que je fais de cet humain? Lui, en plus des autres que vous mentionnez, nous aurons là un festin millénaire. Oh là là, c'est pas bon du tout.
Je me demande ce qui se passe là-dedans. Hé, hey, Tox, elle va bien? Au secours! Tiens donc, qu'avons-nous là? Oh, j'ai si hâte de manger. Attention, elle arrive. Je protège Shamanosako. C'est sûr que c'est pas Pokémon, hein. Est-ce qu'elle est considérée comme un boss? Peut-être bien. Contre-attaque. J'aime pas trop beaucoup ça. Ah ouais, à chaque coup en plus. Dommage qu'elle ait pas commencé par ça. Bon, je pourrais voir ses points faibles, mais bon. Est-ce que c'est bien intéressant? C'est sûr que c'était ça, la fée du vent. Bah elle rate pas beaucoup pour un bonhomme qui a deux debuffs en précision. J'aurais dû faire de la foudre, pourquoi j'ai fait ça? C'est pas vrai. En soi, dans Pokémon, tu tabasses des bestioles pour les braconner, tu fais des combats de chiens et tu te fais agresser partout et par tout le monde. Ouais, mais t'as pas un lycéen qui meurt comme ça dans une mare de sang. C'était horrible. Désolé. Tout ça parce que j'ai voulu aider. Je ne me suis pas imaginé qu'on aurait pu y passer. J'ai pris la mauvaise décision, hein. Il fallait tenter. Pas si sûr. Mais t'entendre le dire me fait me sentir un peu mieux. Je veux changer. Je voudrais devenir comme toi, Yuzuru. Mais je sais pas comment. Enfin, pour l'instant, faut qu'on retrouve la sœur d'Atsuta. Ah, j'ai failli oublier. J'ai ce truc. Prends-le et merci pour ton aide. Merci, t'es très sympa. On va quand même... Non, j'allais dire régène, mais c'est pas nécessaire. Attends, il y a un autre passage par là? Mais oui, carrément. Il y en a plein des passages, en fait. Y'a pas un Miman? Viens à toi. Il croyait qu'il allait pouvoir s'échapper. Bah il croyait mal. Poudre. Tarukaja. Ça ne m'intéresse pas du tout. De toute façon, tant qu'on n'a pas les buffs de groupe, vraiment... Seuls les debuffs pour le moment sont vraiment intéressants. Puisque bon, un boss... C'est vrai qu'il est parfois accompagné, mais... C'est surtout le boss qu'on veut debuff.
Ouais, si je peux pas monter. Une essence de jack-o'-lanterne. Très bien. Oh. Ok. Non. Je suis allé trop vite. Heureusement que tu me rattrapes un peu. Je vais refaire la bêtise. Bien, c'est un troisième. Pour les bonus, c'est intéressant en fait, du fou. Shadow, j'ai pas ça. Merde. Et j'ai pas sur qui que ce soit. Ah, je crois pas. Voilà, j'aurais dû le zioter avant. Tant pis pour moi. Résistance lumière. Ouais, on va virer Rama, je pense. Il faut vraiment que je trouve de quoi débloquer de nouveaux skills. Hein. De pas pouvoir en garder plus, c'est un peu relou quoi. Un abcès quoi. Trop loin. Cette énorme flaque d'eau, comment ça s'appelle déjà? Ah oui, un océan. Les humains appellent les grandes flaques d'eau des océans. Ouais. Ou des grandes flaques d'eau. Ça dépend des humains. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas un Miman ici, tiens. Faut bien regarder dans les coins. Vu que c'est de l'eau salée, c'est plus une grande flaque de larmes. Certes. Oh bah des bérites. Je crois que j'en avais fait un de bérites, non? Non. Et je vais pas pouvoir le garder celui-là. Si je le récupère. Enfin, je pourrais pas le récupérer tout court. Je sais pas comment ça marche en fait. Je crois que je peux faire le recrutement et que la prochaine fois que je le rencontre, si je tente, ça marche direct. Il me semble qu'il y a un truc comme ça. Ou alors je me trompe complètement de jeu, mais... Il me semble bien.
une énorme part de ta santé. Demande autre chose. Hein. Ouais, ça, je veux bien. Un Edot, vas-y. Une grande part, bon, vas-y. Voilà. J'espère que tu auras pour moi une place dans tes rangs d'ici notre prochaine rencontre. On verra comment ça va se passer, mais il me semble qu'on n'a pas besoin de lui redonner des trucs. Ce qui fait que c'est quand même intéressant de le faire. Si je me trompe pas, évidemment. Parce que ça se trouve, je raconte des grosses conneries. Comme souvent. Alors, ça mène où ça? Ah bah ça mène vers du... du moral, et puis des démons. Du coup, on va peut-être libérer un peu de place avant. Ces démons qui attaquaient les humains, je ne les avais jamais vus avant, fiston. Elles étaient si effrayantes que je me suis fait dessus. Eh, hey, tu m'écoutes? J'ai un truc à te demander. Je peux? Cool. Ça fait un moment que je me demande ce que c'est, ces trucs en métal qui traînent partout. Et toi? Ce sont des véhicules, des machines plus précisément. Elles servent à se déplacer plus vite. Non, c'est vrai? Les humains construisent des trucs super intéressants. Ah, ça veut dire qu'on peut faire bouger ces véhicules? Ça a l'air super marrant. On pourrait les réparer si on savait comment faire. Mais personnellement, les voitures, je m'en fiche. Hein? Mais pourquoi? Et toi? Les voitures sont pratiques, c'est sûr. Mais elles ont causé la mort de beaucoup de gens. Des millions et même des dizaines de millions de gens ont perdu la vie, tout ça pour plus de confort. Il suffit d'y réfléchir un peu pour ne plus apprécier ces objets, non? Les humains sont encore pires que je le croyais. On ne peut pas éviter la mort. Tu es sérieux? Non, c'est bon, oublie. Je ne vais pas me disputer avec toi. Je suis désolé, c'était plus long que prévu. Allez, on y va. Ah d'accord. Oui, on ferait mieux de se dépêcher. Il y avait un petit message là, non? Rakunda. Ouais. Alors, de la fusion, un petit peu. Peut-être bien. On peut pas faire un petit tour en exam, je suis déçu. Oh, bien. J'avais pas l'impression d'avoir ramassé tout ça. Tiens, niveau thune, ça fait quoi? Ah oui, quand même. Le masque en tissu, c'était 800. Ok. Et vieux journal, je me suis gouré, c'est 75. C'est le matériau miteux 1500. Et j'en ai trouvé pas mal. Vers le monde des ombres. Ah, le matador. El matador. Yoko, c'est une folle, elle. Je l'aime bien comme ça. compendium, inscription. Let's go. Voilà. Bon, de toute façon, là, on va faire de la fusion pour libérer de la place. Le matador. Ah, bah, je peux déjà le faire, lui. Ok. Ah ouais, mais... ah ouais, mais quand même, quoi. Bon, Fortuna, on peut s'en passer maintenant, je pense. Par contre, Amenozume, j'aimerais bien la conserver quand même. On va peut-être la rappeler. On va voir, peut-être que je vais avoir un autre heal. Putain, mais c'est bizarre d'avoir ces démons pour lui, quoi. Bon, on va le prendre quand même. Alors, quand il a Andalousie, ça vaut pas vraiment le coup de faire autre chose, hein. Par contre, de prendre ça, oui.
Il a quand même 19 de magie, c'est pas dégueu non plus quoi. Il a déjà une résistance lumière, donc c'est pas la peine. Enfin, à moitié. Je sais pas ce que ça fait si je fais ça. Oui, ça n'apporte rien de plus. Soit on réduit la précision esquive, soit on laisse attaquer. Du coup, on prend peut-être ça. Ça peut aider, quoi. Non, c'est trop rien, en fait. Qu'est-ce qu'il va avoir plus tard? Ah, mais il y a ça aussi. Buffu. Aura critique. De toute façon, ça va jarter tous ces trucs. Hein. Ouais, il est très fort parce qu'il attaque 7 fois ou je sais plus combien. La compétence innée, oui, coup paralysant. Tu parles de celle-là? Tu es stylé en fait. Hein. Ça se remplit petit à petit ce compendium. Et n'est-ce pas ce qu'on aime dans ce jeu? Tiens, il y a un bonhomme balèze là. Je me méfie avec le crabe que j'ai rencontré l'autre jour qui m'a mis un 300 sur tout le monde. Disons qu'il faudra le Magatsui. Ah putain, mince, je suis pas rechargé en plus là. Putain, le con. Ah, j'ai oublié de recharger. Et j'ai pas sauvegardé. Comment dire? Bah, bon chance, hein. Parce qu'en plus, là, je suis un peu dans la sauce, on va pas se mentir. Le Jack-o'-lanterne, il fait pas ça. Attends, 1, 2, 3. Non, il faut que je change l'équipe. C'est une très bonne question. N'ayez crainte. Pourquoi il brille? Parce que c'est un ennemi rare. T'as vu, ça fait quoi son truc? Ça réduit de ouf les dégâts, d'accord. Ah ouais, de ouf ouf même, hein. Comme j'ai pas save... Putain, mais je fais que dalle. C'est bon, il a plus. Ouais, ceux-là faut toujours sauvegarder avant parce que ils peuvent être un peu surprenants. Leur particularité, ben comme tu peux voir là, ils filent quand même pas mal de thunes, des encens et pas mal d'XP apparemment. Bref, ils sont bien à tout point de vue. On va continuer sur la force, tiens. Une morsure sauvage. Effet augmenté avec un coup critique. Ouais. Bah c'est non. On a déjà mieux en fait. Voilà. La paix mon gars là. Ah si, j'avais sauvegardé. Je m'en suis même pas rendu compte. Je perds la boule. Attends, j'ai récupéré grave des PM là. J'avais quasiment plus rien.
sais pas ce qui m'a donné ça, mais je vais pas m'entendre. Hein. Ah, quand même. C'est bien ce qui me semblait. Donc si vous faites déjà le contrat avec un démon mais que vous avez plus de place, la prochaine fois, vous avez juste à lui parler. C'est quand même pas mal. Du coup, il me restait qu'une place. Avant de monter, je vais regarder ce que je peux faire. Putain, je me souviens d'un ennemi dans le coin là. Enfin, il me semble que c'est par là. Assez violent. Le werewolf. Ah, que mag. Non, c'est pas ça que je voulais, c'était ça. C'est sûr, c'est dommage parce que je pourrais obtenir d'autres fusions, mais... Au détriment de virer Matador et des trucs comme ça, alors que pour le moment j'ai envie de les utiliser, ce serait dommage. Elle, je crois que je l'ai récupérée tout à l'heure. Ouais, c'est ça, là. La vouivre. Il est où le prochain abcès là? Ça devient nécessaire quand même, des places et tout ça. Allez, on avance. Des Jack Frost. Bon, effectivement. Là, j'ai plein. Mais après, ils perdent leur niveau, donc c'est un peu dommage. Ah, j'ai plus assez de PM. Mais attends, je vais pas régénérer. Un objet? Ah, il me semblait qu'il fallait un objet quand on en avait déjà. Si? Pas? Peut-être. Il va falloir que je farme les thunes, un de ces quatre. Ou alors ça va se débloquer au bout d'un moment. C'est vrai qu'au début tu fais beaucoup de recrutement, mais en fait... Au fil de l'aventure, ça change pas réellement. Hein. Tu fais tout le temps beaucoup de recrutement. Je t'ai vu là-haut. J'arrive. Zut. Tu savais que les conteneurs de marchandises sont faits selon des standards internationaux? C'est une longue histoire, ça remonte aux années 60. Oui, oui. Bah, je me coucherai moins con ce soir, tiens. Les sous, ils sont là. Peut-être. Avec un peu de chance, quoi.
Oh, et toi, celui qui ressemble à un humain. Je suis Lilim, et je voudrais te parler d'un truc. Il y a plein de démons super flippants qui traînent, c'est pour ça qu'on se réfugie ici. Mais si je vais à Tokyo, je n'y trouverai pas de démons, c'est juste, faut vraiment que j'y aille. Le problème, c'est que cet ange de Bethel me bloque le chemin. On veut juste vivre en paix à Tokyo. Bien sûr que nous ne voulons pas tuer d'humains. Nous voulons juste le peu d'énergie nécessaire à survivre. Mais l'ange a quand même refusé. C'est dingue, non? Débarrasse-toi de cet ange et amène-nous à Tokyo. Je veux juste vivre en paix parmi les humains. Alors tu veux bien? Merci, je savais que t'étais digne de confiance. L'ange qui nous fait obstacle s'appelle Principauté. Il se trouve dans un endroit rempli de conteneurs. Ok. Tu sais quoi? Si ça se passe bien, je te rejoindrai. Ne me déçois pas. Ouais, c'est ce que j'ai fait déjà, Alain. J'ai utilisé... Enfin, j'ai viré des objets que je n'utilisais pas. Mais niveau thune, j'ai eu moins de chance qu'avec le reste pour le moment. Lui, je l'ai pas, je crois. Ah, il shoot à distance. Sale part. Non, je l'ai pas. Ok, très bien. Hein? D'accord, bon. C'est fait. Next. C'était pas celui-là que je voulais taper dans ce sens. On va dire mental parce que c'est un magicien. Maca, attends, demande autre chose. Oui. Vas-y. C'est bon. En fait, j'ai trop facilement donné des thunes alors que des fois on peut filer des objets quoi. Bon, par contre, c'est un peu dangereux si je heal pas tout de suite. Parce qu'eux, ils envoient des missiles à tout va, là. Soyez un peu plus généreux, 150 maca, je vais faire quoi avec ça? Train à grande vitesse, trop cool! Super rapide, mais sans trembler, hein? D'où sortent ces souvenirs? Le démon, il part en mode salut mon pote, c'est clair. Ah, t'es fort, t'es un dieu, génial, là, salut! Alors, il y a quoi par là? Ben, il y a du... de la gloire. Il y a la quête par ici. Bon. Ça, j'ai déjà. Je vais privilégier ce machin. C'est sûr qu'il y a un Miman planqué quelque part par là. En dessous, je pense. Ça sent le Miman. Un peu trop enthousiaste, là. Ah, j'avais cru avoir vu Loki. Tiens, regarde. Ouais. Essayez de suivre les rails vers Shinagawa. Mais beaucoup trop de gravier. Faut trouver un détour, depuis l'acheter. Le vaisseau des mots, j'ai pas pu voir. Je pense que c'était une vouivre. Alors, comment on entre ici? Ça n'a pas de sens, c'est plein de trous ici. C'est là. Regarde quand même au-dessus. Pour nos amis les planqués.
trop de spawn de ces machins. Je peux pas les laisser. C'est quoi ce truc là-bas? Ah mais c'est eux en fait qui... Ils se baladent comme des... On appelle ça des talismans là. Une essence de nid, très bien. Alors, de la foudre, mais j'ai pas Mazio. J'ai pas Mazio, mais j'ai autre chose. Bon, ils sont pas tous sensibles à la foudre, hein. Mais il y a des chances qu'il y en ait plusieurs quand même. Bah non. On peut encore avoir de la chance. Et bah non. Toujours mieux que rien. Là, ça me fait un petit 5000 balles, je crois. Peut-être un peu plus. Alors, attaque lourde. Bah oui, évidemment que je vire ça. Même si c'est super intéressant. On va virer Mazan. Pas besoin de ça. Salut. Trop loin, c'est de l'autre côté. De t'extasier à chaque fois. Hein. En même temps, les Mimans, ça change pas trop des Korobus. Si, t'as pas l'énigme qui va avec. Et qui est parfois très relou. Ah oui, il faut passer par le dessus pour l'autre, je crois. Donc c'est pour un petit peu plus tard. Atom ni bar. Katsute no ou tachi no chie wa kore de kata ga tsuita. Da ga sude ni soutei gai no sonzai ga aru. Kore ijou no jama wo 許すわけにはいかぬ。アブディエル様。貴様はベテル日本支部に入った太宰一郎と言います。ダザ。それで私に何の用だ。この辺りで生徒、俺と同じ制服姿の人間を見ませんでしたか。さて、この辺りでは見ていないが、 貴様はなぜそのようなことを？俺、弱くて、自分に自信がなくて、周りの人にいっぱい迷惑をかけて、だから、やり直したいんです。自分に自信を持って、強くなりたいんです。そうか。強くなりたいと願うなら、その思いを忘れずにいることだ。 その願いを忘れず、信念を持って行動できれば、それが自信となり、自信が強さへと変わるであろう。自信が強さに。